Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. C'est en partenariat, encore une fois, avec le site de chez Gutfeld, dont j'ai choisi 4 objets, en fait. Je ne voulais pas en prendre des masses. En même temps, il y a un budget, donc il faut faire attention de bien le respecter. Et donc, eh bien, je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi. Alors, je vais commencer par ça, puisque c'est devant moi. C'est une trousse, en fait. Alors, c'est dans une pochette avec une tirette, là. Voilà, donc j'ai pris ces modèles-là parce qu'il y avait des gros, des gros diamants spéciaux. Voilà, c'est dans les tons, dans le rose parme. Ouais, tout ça, ça colle, il n'y a rien à faire. En fait, ça y est, c'est rapide, il n'y a que cette partie à faire. Donc, il y a la petite barquette, enfin le petit kit de base. Donc, c'est toujours très... Moi, je me sers que de ça quand je fais des objets. Et nous avons... Alors, ils sont beaux, ceux-là. Nous avons les diamants spéciaux. Alors, je vais essayer de faire vite pour le papier parce que c'est embêtant. Alors, ceux que je vois en premier, c'est ceux-là. Ils sont trop beaux. Regardez. Là, pour les mettre là, waouh. C'est super beau. J'ai jamais commandé de trousse, de petits sacs. Et ensuite, il y a des strass. Il y a quand même pas mal de diamants spéciaux. On a des demi-sphères blanches irisées. On a des demi-sphères rouges. D'ailleurs, je trouve qu'elles ne brillent absolument pas. Elles sont mates, ma foi. Ensuite, nous avons des gouttes dans les tons doré beige. Nous avons des gouttes rouges arc-en-ciel. Nous avons des grosses gouttes rouges, très belles. Et ensuite, ce sont des strass, donc argent transparent, rouge et doré. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super bien. Voilà. Je pense que ça se fera assez rapidement. Je pense. Alors, on remet tout à l'intérieur. Hop, je range bien la pochette. Elle est pleine. J'ai jamais pris de pochette. Je pourrais mettre des trucs de diamond en même temps. Ou du maquillage. Ou du maquillage. Les palettes Action. Genre. Non, les palettes Action, je les. Il y en a que j'ai pris parce que il me les fallait, mais je m'en sers pas. Donc, ça sera pour des cadeaux, évidemment, pour les petites filles. Voilà, donc ça, c'est le premier objet. Ensuite, alors, ah oui, c'est vrai que j'ai voulu tester ces nouveaux stylets, là. En fait, je les ai pris pour... Voilà. Je dis que je vais me servir du kit pour faire ça, mais non, je vais me servir, j'arrive plus à parler, de ce super stylet que j'avais jamais vu. Regardez, il est magnifique. Il est magnifique. Hop, et voilà. Donc, pour faire tous les diamants spéciaux, au lieu de prendre le petit stylet rose, ben je prendrai celui-ci. Voilà, parce que je le trouve très, 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 très beau. Voilà. Là, il y a tout des paillettes au fond. Moi, mon téléphone, il ne sait pas faire le focus. Je ne sais pas comment il faut que je fasse, en fait. Hop. Je mets sur l'objectif. Hop, je bouge pour qu'il se centre dessus. Mais non, voyez, moi, ça ne marche pas. Alors, ah bon, peut-être c'est des réglages. Hein. Voilà, deuxième objet. Ensuite, alors, j'ai une toile. Alors, je ne sais plus si c'est... alors, je vais marquer déjà dessus. Gutfeld, parce qu'après, moi, j'oublie tout. Ah non, je ne vais pas le marquer sur la pochette quand même. Gutfeld. Après, je me dis, mais ça vient d'où? Je ne sais plus. Hein. Alors, c'est une toile, je me souviens. Ouh, ah, ça colle de colle là. Hein. Ah, je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Voilà. Alors. Donc, au niveau de là, c'est classique. Mais ça a l'air hyper sympa. Ah oui, je me souviens.
Je me souviens. Ce sont des diamants ronds. Ce sont des diamants ronds. Alors, il y a le petit toolkit de base. Oh, c'est bien ça. Tous les... C'est dans des sachets. Donc, je pense que je les laisserai dans des sachets. C'est tout dans des sachets, donc je ne vais pas les sortir. Vous voyez, ils sont numérotés bien comme il faut, quoi. Et j'ai plus rien à faire qu'à commencer la toile. Ah, ça c'est génial. Super. Est-ce que c'était dedans? Je ne sais plus. Voilà. Et la toile. Donc la toile qui a 21 couleurs. Et j'avais envie, par rapport au nom de ma chaîne, à prendre un ange. Bon, c'est une femme. Hein, avec des ailes. Une aile, on voit une aile. Voilà. Et il y a toute une série comme ça de femmes. Moi, j'ai bien aimé. Les couleurs, là, sont un petit peu tristes, mais en fait, elles ne sont pas tristes du tout, je trouve. Voilà. Alors, c'est une 30-40, mais je suppose que non. C'est une 24x34, donc, au niveau de l'image. Voilà, mais elle est magnifique. Hein. Enfin, franchement, c'est super. Super, super. J'adore. Voilà, donc ça, c'est la toile. Non, c'était dans l'autre sens, je ne sais plus comment c'était mis. Je ne sais plus comment c'était mis, mais le tout, c'est que ça rentre, ça re-rentre dans le sachet là. Et je vais marquer dessus, je rajoute ange femme. Voilà, comme ça, c'est fait, et j'oublie pas. Et ensuite, le dernier, j'ai commandé, donc une, vous le voyez, ma boîte aux lettres, elle était pleine. Il y a, je ferai l'unboxing de Fanzel qui est vraiment spécial. Ça prenait toute ma boîte aux lettres, quoi. Donc là, c'était au-dessus, un petit peu coincé. Donc, c'est de la peinture par numéro. Ah, alors là, un problème, vite. Ils l'ont ouvert et là. Et refermé avec un bout de scotch. Donc j'ai la toile. Comment elle a tenu comme ça sans il n'y a pas de, vous savez, le petit élastique. Hop. Donc il y a toutes les couleurs. Il y a 24 couleurs. Voilà, donc toutes les couleurs. Ça, je trouve joli. Les pinceaux, toujours le même lot, hein. Un grand brosse, un moyen, il y a tout pitchou, des attaches, dont je me servirai peut-être pas. Quoique, on verra. Voilà, et la toile, alors la toile, eh ben, je me souviens plus ce que c'est. Alors j'espère qu'il y a une photo. Allez, bien serré. Non, c'est pas la photo. Alors je vous retrouverai la photo. Alors, est-ce qu'en la regardant comme ça, je peux me souvenir de ce que c'est? Alors, je vais la regarder dans le bon sens. Il y a un papillon. Ben, je ne sais plus. Mais de toute façon, là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais couper, je vais chercher. Voilà, je me souviens. Donc, j'ai regardé, évidemment, dans ce que j'avais mis dans mon panier chez Godfell. Et je l'ai trouvé bien. J'ai eu peur qu'il y ait beaucoup de toutes petites. Il y a des petits, mais il n'y a pas des toutes petits. Et bah, elle m'a l'air super bien. Hein. Donc, je ne mesure pas parce que c'est vraiment des 40 par 50. Je vais vous montrer de plus près l'impression. Voilà, regardez, c'est génial quand même. Hein. Voilà. C'est tout comme ça, donc... Ouais, je me souviens, elle m'avait bien plu. Je l'avais mis dans le panier, puis je l'avais re-enlevé. Et finalement, ben, je l'ai prise. Voilà. Donc, ça, c'est ma nouvelle toile. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis plus sur le point de croix. Ça, je ne le remets pas. Je suis plus sur le point de croix que sur le diamond painting ou la peinture par numéro. La peinture par numéro, là, ça fait ma... Ma quatrième, donc il y a le chat qui avance, et il va falloir que je fasse un petit peu, débuter un petit peu les autres, voilà,
Donc, il y a des couleurs là qui sont super belles. Mais enfin, vous avez vu la photo, moi ça m'a plu. Bon, c'est toujours des femmes, c'est toujours le même style, moi, mais je me vois mal faire autre chose. J'ai testé, j'ai essayé, ben, ça me. Comment vous dire, ça m'attire pas et je me vois pas le faire, quoi. Donc, il faut que je prenne une toile où, quand je la vois, elle m'inspire, j'ai envie de la faire, j'ai envie de la commencer. Enfin, voilà. Donc, là, il y a la toile, donc, l'ange. Et ici, mon beau stylet. Voilà, il est magnifique ce stylet. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Ah, je croyais qu'il y avait marqué Alibaba. Tu dis, non, c'est Gutfeld, j'ai marqué dessus. Et la jolie pochette, donc là, que je vais peut-être commencer, mais pas trop, parce que là, j'ai plus trop le temps, en fait. On prépare Noël en même temps et c'est difficile. On va être 8 pendant une semaine à la maison, donc imaginez un peu. Avec des gamins qui sont très difficiles au niveau alimentation, surtout les filles. Ah, les allergies, les j'aime pas le poisson, les enfin bref, voilà, donc on va. Enfin, ça fait pas partie du partenariat. Donc, bah, je remercie Godfrey de m'avoir fait confiance pour la troisième ou quatrième fois, je sais plus. J'ai pris ça, donc vous pouvez être certaine d'avoir du suivi par derrière. Je commencerai par une vidéo pour faire la trousse, ça ira plus vite. Et ensuite, on fera une préparation de toile pour les deux. Voilà. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye. Il y avait l'image, elle était dans le sac. Voilà. Donc, de toute façon, je vous l'avais déjà montré. Mais j'ai l'image.